Ok, donc là pour amorcer, je vais mettre une boule d'amorce et je vais rajouter un peu de billes de façon à mettre du poids. On envoie ça à l'eau clippée à 66 mètres. Et go! Bon alors les gars, là j'ai fait un poisson ce matin, une belle cuillère, franchement une pépite, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de cuillère. Donc je l'ai faite avec la TNT et une petite pop-up blanche et noire, gouche une vie. Donc là j'ai réamorcé propre avec le Z-bombe, donc j'ai mis de l'amorce que j'avais préparé, les boules, avec quelques bouillettes nappées que j'ai replacées là-bas vers l'infrastructure. Et maintenant bah, on n'a plus qu'à attendre un autre poisson. Apparemment il y a quelques beaux poissons, quelques beaux spécimens dans l'étang. À voir. On a encore quasiment presque 24 heures de pêche, donc on est confiant pour essayer de reprendre encore un poisson.
Eh bien ça y est, dernière matinée. Je retouche un poisson hier soir et après plus rien, le néant. Mais c'est pas grave, voilà. Donc j'ai fait mes deux poissons avec la TNT, comme je le disais. Monté du coup en bonhomme de neige avec une petite pop-up. Pêché vers l'infrastructure, j'avais 2,30 m d'eau. Jusqu'à 2,50 m d'eau, donc c'était une... plutôt pas mal par rapport à l'étang. Je suis rincé. Relancer au spawn comme ça régulièrement, c'est plus du tout ma pêche, mais il faut s'y remettre de temps en temps, c'est pas mal de changer. Et là il me reste donc, comme je le disais, la matinée pour ranger le matériel tranquillement et essayer pourquoi pas de reprendre un poisson. Et là voilà, fin de session. J'espère que la vidéo vous a quand même plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à lâcher vos plus beaux pouces bleus. Et on se dit à bientôt pour une prochaine session. Toi qui as regardé la vidéo, abonne-toi juste ici et la prochaine vidéo sera là.